Vandaag bezoek ik de familie Amblé, een hele mooie boerderij. Ze maken Waalse producten, echte streekproducten. Een familie van passie. On sent bien le goût du malt et c'est une bière nostalgique, on va dire. C'est une bière de tradition, une bière simple, une bière de terroir. On essaye de revenir à l'essentiel de la bière, plutôt facile à boire, et une bière de soif, une bière désaltérante. Et la spécificité, c'est que c'est une brasserie à la ferme en plus. Oui, donc nous sommes installés ici dans la ferme de Bertinchamps. Il faut une toile de fond à la bière et cette ferme se prête très bien à ce genre d'expérience. Oui. Et vous avez aussi cette idée de travailler les produits locaux, bien sûr, avec cette ferme. Oui, malheureusement, je n'ai pas assez de surface que vous produisez moi-même de l'orge. Donc, je suis occupé à chercher des agriculteurs dans la région qui pourraient me produire un orge de brasserie de qualité. Pareil pour les houblons. Il y a une relance du houblon en Belgique. Nous préparons l'avenir et j'espère que d'ici un an ou deux, nous pourrons nous approvisionner en régional. 50 centilitres, c'est unique. Donc c'est une brasserie familiale et on a voulu développer un esprit de partage et une bière pour deux, en espérant qu'après on ouvre une deuxième bouteille. Eh bien nous allons trinquer à votre brasserie, il y a un bon succès pour le futur. C'est gentil, merci. Et à la vôtre, à Bertinchamps. Ok Gregory, we gaan wel deze delen nu, dat is een pint om te delen. Oké. Okay. Het is blond, maar ik ga wel mijn bruin bier koken. Okay. Dus we gaan een heel lekker gerecht, een klein gerechtje, Big Duck. En daar komt er een luikse siroop, uienconfijt met luikse siroop, bruin bier komt daarbij. En dan gaan we daar een beetje salade, toast en Ardense ham op een fantastische ganzenlever erin. Perfect, super. Gezondheid. Om te beginnen gaan we beginnen met de rode uienconfijt. Gewoon rode ui, fijn snijden, aanstoven in boter en dan blussen met bruin bier. Het bruin bier is sowieso al een beetje kruidig. Maar we gaan toch een kruid toevoegen die daar heel goed bij past, is sterranijs. En als de zoete toets daarin is de luikse siroop. Alles gewoon eigenlijk laten wegkoken. Mag ook een beetje bouillon bij, ook, hè? Dat is ook wel lekker daarbij. En alles laten wegkoken totdat het eigenlijk een stroperig confit wordt. Eigenlijk. Ruikt lekker, hè? Ja, met zo'n producten wat kwaliteit. Hè? Ja, kan niet anders. Met zo'n luxe toast heb je echt wel goed wit brood nodig. Ja. In Wallonië eten wij veel meer witte brood dan in Vlaanderen. Ja? Ja. Maar dat is een brood van kwaliteit natuurlijk, hè? En voor de afwerking is het eigenlijk heel simpel. Als het brood getoast is, gaan we dat mooi uitsnijden tot eigenlijk luxe toastjes. En daar bovenop de ganzenlever, natuurlijk afkruiden met een beetje fleur de sel, dat hoort zo. Een beetje rucola salade en dan ajuinenconfituur afwerken met Ardense ham. Echt een luxe hapje. Daarbovenop sluit af mijn toosje, dus een echte Big Duck hamburgerke. Big Duck à la lekker was. Ja. Ja.